Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur Les pires choses dans Minecraft. Voilà, donc c'est une vidéo sur les pires choses dans Minecraft. Bon, c'est peut-être pas vraiment les pires pour vous, mais en tout cas pour moi c'est vraiment des choses qui sont horribles, vraiment horribles. Donc on va commencer tout de suite avec la première chose. Donc là, vous avez votre petite épée en diamant. Vous êtes content, vous avez une épée en diamant. Mais une épée en diamant, comme ça, c'est pas suffisant. Vous voulez l'enchanter. Et là se trouve le dilemme de l'enchantement. Bon, là, on est sur des tables d'enchantement de level 30. On met notre épée level 30, Smite 4. Comment faire? Eh ben, on est obligé de cliquer. Et là, on tombe sur une épée qui était en diamant de base plutôt pas mal. Et on se retrouve sur du Smite 4. Voilà, ça c'est vraiment le truc le plus horrible dans Minecraft. Les enchantements. Allez, second truc. Là, c'est le moment. Vous avez votre base. Vous avez envie d'aller miner. Vous avez envie d'y aller. Et donc, c'est le moment. Vous allez creuser sous vos pieds avec cette technique qui est vraiment sympathique. Vous allez miner, mais c'est très long de miner. Mais pas grave, vous y allez, vous dites c'est le moment, on va aller chercher du diamant. Et vous continuez à miner très longtemps, très très longtemps. Et là vous n'avez pas fait attention, vous tombez dans cette lave. Bon, vous avez un stuff en diamant, heureusement, mais il n'y a presque aucun rebord auquel monter. Vous y êtes presque, mais la lave va finir par vous tuer. Et tous vos items sont tombés dans cette lave. Même en essayant avec une bonne technique d'essayer d'esquiver, vous êtes tombé dedans et vous avez perdu tous vos objets. Voilà, un truc qui est aussi très très énervant. Allez, troisième. Là, vous revenez de votre petite session de découpage de bois. Vous êtes content, vous avez beaucoup de bois et vous allez pouvoir peut-être améliorer votre maison ou faire d'autres choses avec ce bois. Vous arrivez devant votre base et là, une tonne de creepers qui ont détruit toute votre base. Vous essayez d'aller récupérer, mais non, vous avez explosé vos coffres. Vous êtes très dessus et vous allez devoir reconstruire toute votre magnifique base. Maintenant, il est temps. Vous avez un arc. Enfin, vous avez plutôt des bâtons et des plumes. Il est temps de récupérer de la flint pour pouvoir vous faire enfin vos flèches. Mais n'est-ce pas un truc extrêmement long et horrible de récupérer de la flint, casser du gravier qui a un pourcentage de chance mais vraiment petit de récupérer cette magnifique flint. Vous allez devoir casser tellement de gravier, le récupérer, puis si vous n'avez pas assez, le replacer, puis le recasser et le replacer et le replacer et encore ça jusqu'à avoir le magnifique flint. Cette fois-ci, aucun problème pour enchanter votre épée. Elle est très bien pour farmer les mobs. Mais plus difficile pour le stuff, oui. Vous avez besoin d'XP. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un spawner à disposition pour farmer l'XP? Eh ben, pas grand-chose. Sauf que ça reste extrêmement lent. Vous êtes obligé. Vous voyez, là, il y a beaucoup de monstres. Ça va vous servir en même temps à pouvoir farmer la rotten flesh, à pouvoir farmer les carottes et les patates, et en même temps de pouvoir farmer le fer ou les autres choses que les zombies peuvent drop. Mais l'XP n'est pas au rendez-vous. C'est une chose qui est très énervante. Enfin, mais l'XP. Bon, les amis, c'est moi qui dois m'occuper de faire l'outro parce que là, il a oublié de la faire. Donc, moi, je suis obligé de la faire à la toute fin. Donc, c'était vite pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis c'est tout. Ah non, pardon, abonnez-vous à la chaîne aussi parce que c'est quand même sympathique. Mettez un pouce bleu, c'est aussi sympathique. Et puis vous pouvez faire autre chose aussi, vous pouvez mettre un commentaire. Bon, allez les amis, à la prochaine. C'était Andriop et au revoir.